Salut, c'est Cyril Allopneu. Je me trouve aujourd'hui sur le circuit de Nogaro dans le Gers pour accueillir les clients d'Allopneu qui ont gagné une journée au Dunlop Auto Days. Salut Jérémy, t'as été heureux sélectionné pour participer à cette journée. Pour l'instant, tout s'est bien passé? Pour moi, parfait. T'as tourné combien de fois là ce matin? Une fois ce matin, une fois cet après-midi. Ça va, pas trop fatigant, pas trop éprouvant? Si. Ouais, déjà dès la première session, ouais, un peu de fatigue, et là avec la chaleur, c'est... Ouais, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que ici, là, il fait tout de suite, il doit faire bien 30-32 degrés. Ouais. Et c'est encore pire sur le bitume quand tu roules, ouais. Et sous le cuir. Est-ce que c'est la première fois que tu faisais le circuit? Non, j'ai déjà tourné une fois ici et un peu sur Pau aussi. Première sensation de circuit, je les avais déjà. Il y a un moment, c'est vrai qu'on se sent plus libre que sur la route. On dit bon, allez, je peux y aller, quoi. Ouais. C'est vrai, il n'y a rien à craindre, là, c'est bon. Hein. Ouais, ce côté un peu liberté. Et t'avais des appréhensions un peu quand même? Bien sûr. Bah oui. Ouais. Et quand même, j'ai pas envie de tomber, pas envie d'esquinter la moto, pas envie de faire tomber quelqu'un, je veux dire. Donc, ouais. Ça vient petit à petit, la libération, mais bon. Alors, est-ce que vous êtes tous des vrais motards ou vous êtes des faux qui veillent sur la piste comme ça de temps en temps avec une moto qui sort jamais du garage? Bruno, tu roules toi? Moi je roule, je pars en vacances avec, je fais beaucoup de choses avec la moto. Et toi Cédric? Moi si je suis pas sur la moto, je suis malheureux. Ah oui d'accord, oui, c'est tant que donc, ça. Donc il faut que je sois le cul sur la selle et c'est, ça me va. Ouais, moi aussi je fais souvent de la moto. Toi, vrai souvent motard? Souvent avec lui donc. Nous là, ok, je comprends. Voilà. On fait que ça, ensemble, que de la moto. Non mais alors là pour le coup, vous faites ce que vous voulez ensemble. Non mais on regarde ça pas. S'arrête et, à la moto. Et quelque part, je veux même pas savoir quoi. Tu roules tous les jours en moto? Non, tous les jours non, mais quelques balades, ouais. À la mer, à la montagne, en groupe, ouais. Ah, t'as un motard du dimanche, quoi. Ouais, voilà, motard du dimanche. Et tu sors que l'été quand il fait beau, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord. Bon, mais il en faut aussi, hein. Moi j'y peux rien, mais enfin, je peux pas tout avoir non plus tous les jours. Est-ce que ça t'arrive de partir en vacances en moto? Ah oui, je suis très motard, les balades, tout ça, j'adore ça. Quand tu sais que tu as un grand road trip à faire, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu conseilles, qu'est-ce que tu essayes de faire avant de partir? Déjà bien contrôler la moto au niveau de la sécurité, pneus, équipement lumineux, tout ça. Et ensuite avoir un bon équipement pour le motard, qu'il soit bien avec les conditions qui vont avec, donc pluie ou sec, mais toujours un équipement adapté. Et ensuite pourquoi pas un kit anti-crevaison, ça peut toujours servir. Et pourquoi pas le GPS ou la carte sur le réservoir. D'accord, bah c'est très bien, bah je te remercie et puis je te dis à tout à l'heure sur le circuit. Malheureusement je peux pas tourner avec toi sinon je pense que je t'aurais mis minable, mais ça sera pour une prochaine fois. Et puis j'espère qu'on va se revoir sur d'autres événements avec Allopneu. D'accord, bah je remercie Allopneu et pourquoi pas rouler ensemble un jour alors. Ça va, merci. You're the one I'm addicted to.